49e année d'indépendance. Donc c'est un grand jour pour tout le monde. Pour nous tous, toute ethnie confondue, toute religion confondue. Donc je suis non seulement animée par un sentiment de joie, parce que c'est la fête de notre indépendance, c'est une fête qui a été arrachée par nos devanciers de haute lutte. La Guinée en 58, en votant le non, était debout comme un seul homme. Il n'y avait pas d'ethnie, il n'y avait pas de religion, il n'y avait pas de race. Donc, nos devanciers ont réussi à nous donner cette indépendance politique. Et maintenant, il faut que l'on se batte et c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est de nous battre pour avoir l'indépendance économique. Et cette indépendance économique dont le porte-flambeau n'est que le président professeur Alpha Condé ne peut être obtenue que dans la paix. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'avenir. Donc, en tant que responsable politique, en tant que ministre de ce gouvernement, je lance un grand appel à tous mes compatriotes, toute obédience confondue. Obédience religieuse, obédience politique et obédience ethnique. Il faut que l'on se donne la main. On ne peut rien obtenir si on ne s'attend pas. Il faut que les Guinéens apprennent à s'aimer. Il faut que les Guinéens apprennent à se respecter. Il faut que les Guinéens apprennent à vivre comme les autres. Nous n'appartenons pas à la planète Mars, nous appartenons à la planète Terre. Donc on ne réinvente pas la roue. Ce qui a marché ailleurs, pourquoi ça ne devrait pas marcher ici? D'accord, et justement, vous occupez un secteur clé, vous êtes